Yo, gros bonsoir à tous fidèles abonnés World Travel Multi Service. Aujourd'hui, c'est mardi. Nous disons bon Dieu merci du fait qu'il te permet de nous lever avec souffle de respiration en pleine forme et en bonne santé. Et nous disons merci du fait qu'il te permet de nous vaincre avec différentes activités. Nous, côté qu'il te permet de nous lever dans le travail et permet de nous rentrer en bien. Et nous disons merci pour chacun de membres de notre famille, nous, avec prochain, nous, qu'il toujours protéger Haïti dans un moment de circonstances douloureuses. Alors, nous connaissons seulement un bon Dieu qui est capable de dire un mot dans la situation pays. Il n'y a pas grand monde qui a fait un rien là, actuellement. Que simplement, c'est bon d'être capable de porter solution, hein? Parce que nous, ouais, déjà, les politiciens, ça, c'est vrai, on les finit ensemble avec nous, pas, ouais, comment peut-être exterminer nous. Donc, il y a cherché une façon qui est plus mal que ça. C'est gâter ghetto, gâter petit jeune, au lieu de petit jeune, t'as là pour le métier, et plus mettre une arme dans le petit jeune, ça. Et je crois que nous avons ça, qui voulait quitter dans la position qui est là, pour être capable de rejoindre le chemin, qui a besoin de chemin positif, là. Donc, quittez-moi, merci chaque abonné individuellement et indistinctement et pour qui permet de Chanel ça grandir jour et jeudi. Et moi, remercie du fond du cœur et nous pourrons permettre toujours que Chanel ça continue à grandir. Laissez-moi partager, like et commenter vidéo. Je tiens à venir partager vidéo ça ensemble avec nous, c'est sous et demande visa à Cuba. Parce que moi, il y a plusieurs gens qui contactent la mes amis en privé qui ont dit y a sollicité dans l'agence, mais combien de vidéos. Moi, même, il y a là. Je suis un ami qui te voit le bon moment quand tu as acheté 1 800 $ pour faire demande visa Cuba pour lui. Mes amis, moi-même, je ne sais pas si je peux fonctionner, mais je suis un ami qui te voit le bon moment. Et même la révolte, ce n'est pas ça qui va arranger les choses. Sauf que moi là pour me donner une information, pour bien orienter nous, pour montrer nous comment nous sommes capables de faire ça pour compte nous. Mes amis, faire demande visa à Cuba, ce n'est pas un bagage qui est difficile. Et puis nous suivre avec attention et nous mettez tout ça m'a dit nous en pratique nous capable prendre pour compte nous. OK, sans plus tarder, puis on est capable faire demande visa à Cuba et à vrai dire légalement pour passer légalement ou supposer prendre un rendez-vous ou écrit sur email ça qui c'est citasconsulado@commercialgmail.com citasconsulado@commercialgmail.com. Donc ça veut dire que je dis consulat lui-même de disposer un délai de 72 heures jusqu'à 15 heures, jusqu'à 15 jours pour répondre demande ou. Ça veut dire que lorsque vous pouvez écrire sur email, là on va envoyer première page passeport là qui scannerisé. OK, il supposé très lisible. Et là envoyer première page passeport ça sur email ça ou supposé doit écrire mais là pour expliquer mais pour qui raison ou besoin visa. Si c'est un visa transit, on va dire c'est un visa transit, on va dire mais pour qui raison besoin. Si c'est un visa touriste, on va dire mais pour qui raison qu'il y a besoin. Et après, il y a fort réponse et dans 72 heures ou bien à 15 jours, il y a répondre. Automatiquement qu'il répond nous, il y a voyer toute liste documents supposés gagner et après on finit tout document ça on supposé scanneriser en format PDF ou tourner écrire encore voyer tout et document sur email que monsieur Baila qui c'est citasconsulado@commercialgmail.com m'a mettre dans la description vidéo pour nous et après il a fait nos réponses il a ballon date rendez-vous n'a pas date rendez-vous pour monter. OK, automatiquement que nous finissons tout Baila ça il dit que une fois que il recevra il dit une fois que on finit tout document au fond de son email. OK, donc rendez-vous ou supposé pour un rendez-vous moins de 30 jours, ça dit 30 jours avant voyage avant voyager pour Cuba ou supposé prendre rendez-vous. OK, il dit yo fois que yo recevoir réponse et courriel ou demandant. OK, ou doit voyer un seul courriel, là dit un seul mail côté que vous mettez tout document net ensemble. OK, et concernant demande visa que faire, si c'est visa transit ou bien si c'est visa et touriste. Après ça tout consulat pas accorder aucun rendez-vous. OK, si tout document yo pas non et non email que vous voyez et après tout jour rendez-vous hein, on doit présenter avec documents originaux et photocopie. Donc avec on a besoin de photocopie de page passeport.
OK, deux photocopies page passeport. Mon conseil nous faire en couleur et il dit toute photocopie OK en bas consulat Kembe. Deuxième information qui c'est deuxième information nous dit que pour nous capable connaître bien c'est nous parler il dit nous que pour faire demande visa et Cuba toujours on suppose gagner un billet d'avion aller et retour confirmé réservation d'hôtel supposé confirmé il dit que on doit imprimer vous devez présenter avec billet imprimé. Vous pas accepter billet électronique. OK? Qui donc et je dis que réservation OK au moins 3 jours dans un hôtel. Après ça qu'on va présenter avec attestation bancaire pour voir est-ce qu'on gagne suffisamment d'argent pour répondre avec les demandes là. Visa touristique là il coûte $55 mais gagne une déclaration sur l'honneur ou gagne pour signer. Déclaration sur l'honneur ça et que pour capable signer pour dire c'est simplement à des fins touristiques ou bien transit qu'on veut pour faire. Donc document ça a coûté $60. Donc en tout on a besoin $115 pour et deux documents ça et c'est visa touriste là. OK, $55 qui est transit là ou bien l'autre papier que nous dit nous qui c'est on signe une son déclaration sur l'honneur, c'est $60. Donc il dit que faut qu'on fait ça au moins 30 jours avant voyager. 30 jours avant voyager. Sinon, vous capable perdre voyage là. Et là, ça qu'on y a billet au TPI, l'absence est passé inaperçu. Donc, ça veut dire que yon moun kap dit non pour faire application visa Cuba pour nous. De supposer payer $1,800, mes amis. Nous grand timon, nous comprenons. Donc, moi, toute information là par rapport avec comment on est capable solliciter visa touristique qui va bien visa principal. Pas bien pour nous encourager, c'est like, commenter, partager. Merci.